Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence, bienvenue aux curieux aussi et gratitude à tous pour vos soutiens. Gratitude aussi à ceux que j'accompagne et qui me font confiance dans l'élaboration de leurs études astrologiques. Alors nous nous retrouvons à l'occasion de cette lunaison, de cette pleine lune qui aura lieu donc le 28 octobre 2023 à 22h24-25 minutes, heure de Paris bien sûr. Alors voyons qu'est-ce que nous devons retenir et comment nous devons concevoir, appréhender cette pleine lune par rapport à la cartographie zodiacale qu'elle représente. Alors bien sûr, ces effets vont se faire sentir quelques jours avant, au moment où vous allez écouter cet audio peut-être, et encore une quinzaine de jours après, jusqu'à la nouvelle lune du 13 novembre 2023, me semble. Cette pleine lune vient camper à 5 degrés du deuxième signe du zodiaque, qui est le taureau. Elle est de ce fait régie par la belle Vénus, qui elle-même séjourne dans le deuxième signe de terre, c'est-à-dire le signe de la Vierge. Alors on ne peut pas dire que Vénus soit son comble de joie dans ce signe de terre. En Vierge, elle est rigidifiée, elle est obligée à une réserve, à une retenue. Donc, on peut considérer qu'on aura un sourcing à faire, peut-être pour mieux comprendre sa géographie émotionnelle, pour discerner les émotions des sentiments, pour voir comment nos sentiments devront être triés, parfois nos émotions soignées, mais tous devront passer au crible, du discernement. Encore une fois, ce sera certainement une invitation à ne pas se laisser happer, emporter par les multitudes de sollicitations qui viendraient de l'extérieur. Et nous savons que nous en avons encore plus actuellement. C'est donc une Vénus en Vierge qui va être maîtresse de cette lunaison, qui va nous demander peut-être une discipline appropriée, rigoureuse, pour opérer le passage. Et je pense que cette discipline sera même salutaire et va nous encourager à faire la distinction des faits qui seront à analyser et à sortir de toutes les émotions de colère qui peuvent susciter par ailleurs. Alors il y a tous les natifs qui seront concernés, nous serons tous concernés bien sûr par cette lunaison, mais sachez que tous les natifs des signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions vont quelque part bénéficier de ces énergies pour mettre dans la matière des souhaits, des vœux de réalisation et pourquoi pas les concrétiser. C'est là un aspect favorable, notamment plus pour les poissons et donc les cancers, mais aussi également pour tous les signes de terre qui sont les signes de la Vierge et puis le Capricorne aussi qui pourra jouir d'une période faste et fructueuse, peut-être dans les affaires, peut-être dans la vie affective ou les deux, la vie sentimentale. Alors voyons, sur un plan plus global et socioculturel, je dirais qu'il y aura des énergies favorables à des ouvertures spirituelles, comme c'est le cas souvent en lunaison, mais ici nous pouvons retenir que nous allons, du fait des événements, et ce n'est pas comment dire, une palissade, hein, c'est se dire qu'il va y avoir vraiment des vocations qui vont naître et qui sont déjà là, si j'ose dire, potentiellement. Mais beaucoup de vocations humanitaires, sociales et de réalisations collectives qui vont s'organiser et qui vont apparaître dans le paysage social. Alors, tous ces signes que je viens d'évoquer vont quand même bénéficier d'un soutien heureux et profitable, et ils devront prendre soin pour en jouir réellement, de se relier aux énergies spirituelles et de s'enraciner à la dimension vie, à la dimension du je suis, pour se sentir vraiment en présence pleine et entière de tous ces potentiels. Alors, à vous tous, mes liseurs d'étoiles, déjà je vous remercie de me retrouver, d'apprécier le contenu. Pensez à partager cet audio et à liker si vous apprenez quelque chose, si vous appréciez. Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour rester informé des prochaines parutions. Merci à vous. Donc reprenons, cette pleine lune, elle n'est pas seule en taureau. Elle vient s'appuyer sur les énergies de Jupiter et un peu plus loin d'Uranus qui est là dans le taureau depuis déjà quand même quelques années. Alors vous le savez, Jupiter, lui, il fait son tour zodiacal en un an et lorsqu'il passe dans les signes, il dote ceux-ci
d'un flux bienveillant, protecteur. C'est quand même Zeus, c'est quand même l'astre de la bienveillance. Mais il peut aussi, en cas de conflit et de tension, se sentir sollicité, s'enflammer et donc faire grossir tous les traits pour tomber ensuite dans l'exagération. Et là, pour le coup, il ne va pas forcément nous rendre service puisqu'il va être dans quelque chose de très ampoulé. Alors, nous l'avons précédemment vu et observé depuis quelques mois, ben, il y a des foyers de guerre qui éclatent partout sur Terre et la Terre qui est malmenée par les éléments, mais peut-être aussi par les hommes et leurs événements, par des conditions de sécurité et de confort matériel qui sont remis en cause dans les pays les plus riches, et puis des conditions d'insécurité et d'absence de confort total dans les pays en guerre, notamment les pays les plus fragiles. Alors Uranus n'est pas loin de Jupiter, ces deux grands-là, vous le savez, vont se retrouver pour une conjonction exacte en mai 2024. Bon, on ne peut pas dire que ça va passer inaperçu. Alors c'est quand même un coup de tonnerre là auquel il faut se préparer, mais la préparation, c'est maintenant. On est aujourd'hui pour cette lunaison, pour cette année, à devoir prendre en compte et prendre au sérieux les menaces qui pèsent sur notre planète et sur nos vies. Et ce, depuis que les pays, dont le nôtre, hein, ont décidé d'entrer et de poursuivre les étendards de la violence et du pouvoir en observant une guerre et des soutiens aux pays belligérants. Donc, nous nous retrouvons, nous, en tant que citoyens, bien impuissants et pas forcément à la place que nous aurions souhaité. Ben, c'est un peu Uranus, qui, dans le taureau, vient nous dire, mais non, 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 ton pré n'est pas carré et tu ne peux pas t'installer dessus. Voilà, c'est un petit peu un renversement, un bouleversement des énergies fortes dont on a besoin en taureau. Uranus amène cette perturbation et une forme de distorsion. Alors, oui, une distorsion des notions symboliques qu'il traverse. Ainsi, comme je vous le disais, la paix qui est intrinsèquement reliée au taureau, elle est malmenée parce que les hommes lui proposent aujourd'hui des éléments et des réponses qui n'ont pas du tout à voir avec avec la pacification et avec un esprit de bienveillance. Donc la réponse, elle va être répercutée forcément lors de la conjonction de Jupiter-Uranus en mai 2024 et voire encore plus après. Alors tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette carte du ciel nous indique aussi, ne l'oublions pas, la blessure du féminin. La blessure du féminin pour nous-mêmes, mais aussi pour la Terre, et l'escalade de la violence par un mental guerrier et une préparation psychologique des belligérants, bah, ça vient dire que justement ce féminin, il a été massacré depuis des temps historiques. Alors nous sommes toujours quand même dans une continuité de changement, puisque ce monde-là doit arriver à sa fin. On est dans un changement profond de tous les contours géomatriciels que nous puissions connaître et même ceux que nous ne connaissons pas encore, qui ne nous sont pas encore, on va dire, totalement révélés. Et Pluton, qui, lui, est chargé de faire le passage, le grand passage des grands cycles dans les derniers degrés du Capricorne, nous rappelle l'impérieuse nécessité de cette grande fin de cycle. Donc, de toute façon, nous allons traverser des choses qui vont remettre tout en question. Hein? Alors, bien sûr, pour arriver à une régénération après, à un nouveau monde et certainement à autre chose pour préparer l'ère du Verseau. Alors, que ce soit individuellement ou collectivement, la figure de pleine lune, vous le savez tous, hein, vient mettre en lumière une zone, un aspect de conflit, puisqu'il y a l'opposition lune-soleil, et l'un représente bien sûr l'inconscient, c'est la lune, et l'autre représente ce qui va être mis en évidence, le soleil. Et donc là, ce qui va être mis en évidence, c'est que le soleil, c'est la fameuse préparation militaire, la fameuse escalade de la violence dans tous les dans toutes les parties du monde. Qui suggère de continuer le conflit et qui amène finalement à révéler les conflits que nous avons nous-mêmes en tant qu'êtres humains entre notre conscient et notre inconscient, entre notre féminin et notre masculin, entre notre côté matériel sur Terre et notre côté spirituel immatériel.
tant que ces choses-là ne sont pas complètement, pleinement intégrées par la voie de l'évolution, par le cycle de l'incarnation et tous les cycles, historiquement, nous reproduisons des choses immondes telles qu'on a pu le connaître par le passé. Donc c'est à nouveau, comme le disent certains historiens, pardon, une guerre de 100 ans à laquelle que nous traversons avec des ponctuations d'atrocités. Donc, nous tous, nous ressentirons bien sûr de plus ou moins près les perturbations. Et sachez que pour ceux qui sont dans les pays européens, qui nous écoutent et qui sont natifs des signes fixes, je pense notamment au Verseau, au Lion, au Scorpion, bien sûr, eh bien, pour les Lions et les Verseaux, cette pleine lune va retentir avec un aspect de tension, de carré rouge. Donc, ça va être un peu plus difficile pour eux puisqu'ils vont être davantage sollicités, hein, pour des remises en question. Donc, le conseil qu'on pourra leur donner, c'est vraiment d'aller sur le côté que l'on va décrire ensuite, mais aussi sur le côté de l'ouverture avec la possibilité donnée par les signes féminins et par Vénus, hein, puisque Vénus va nous apporter quand même une possibilité d'apaiser les choses. Donc, les énergies, sans parler directement de ceux qui sont concernés par la guerre, ces énergies-là vont redistribuer un petit peu partout ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est dans le quantique tout ça. Et la guerre, jusqu'à présent, on croyait que c'était dans la télévision, dans la petite boîte carrée, et que c'était pour les autres, de même que la crise économique. Et on s'aperçoit aujourd'hui que chaque jour, c'est un déferlement d'ineptie. Dans la presse, dans les faits divers qui deviennent de plus en plus tordus et criminels, la rubrique des chats écrasés devient de la poésie à côté de tout cela, et les uns et les autres, des événements qui nous sont proposés retentissent avec une violence incroyable. Alors, ces avertissements sont quand même des avertissements parce que derrière il y a l'anéantissement possible qui peut très bien survenir par une crise de l'ego de l'un des dirigeants. Ça peut, ils ont déjoué, ils peuvent s'en servir, voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui croient qu'ils sont encore en dehors de la casserole cuisant la grenouille, je pense que cette lunaison sera l'occasion, et peut-être la dernière réellement salvatrice, de les aider à prendre leurs responsabilités pour l'humanitude de la race à laquelle ils appartiennent. Voilà ce que je dirais de cette lunaison. Et pour ceci, peut-être qu'il s'agira de passer par le prisme de leur ego sans se faire prendre. Ce qui doit, par exemple, et retenir ce qui doit appartenir, qu'ils aient bien conscience de cela, de ce qui doit appartenir à la sauvegarde de leur vie, de leur humanité, et qu'ils puissent concourir à préserver celle-ci. Voilà ce à quoi cette lunaison peut nous inviter. Donc, au quotidien, bien sûr que ça va être sur tout le restant des jours de notre vie, mais au quotidien et durant le mois à venir, le conflit peut intervenir pour tout un chacun sous forme de décisions à prendre, de choix à faire, mais avec toujours, je dirais, une intention de veiller à sa santé et en prenant en compte sa santé, en prenant en compte aussi la bonne santé de ses affaires domestiques. Et peut-être d'envisager des choses par des coupes drastiques, par des économies ou par une préservation, une sauvegarde des valeurs communes qui sont des plus importantes. Ces valeurs communes protègent notre humanité, nos sociétés, notre nation et l'ensemble, la cohésion, l'harmonie du groupe auquel on appartient. Et Vesta nous demande toujours, nous propose toujours de viser l'harmonie. Vesta est en balance et nous permet cela. Donc, si on a la chance d'être dans un environnement social, on va dire, protégé pour l'instant, si on a la chance d'avoir un contexte familial soutenant, eh bien, et une santé qui permette de nous soutenir et de nous permettre d'être actifs, eh bien, il faut profiter de toutes ces belles énergies pour les entretenir correctement et faire en sorte qu'au travail, cela puisse être tenable, rassurant et en même temps respectueux les uns des autres, que voilà, que ce soit
un partage dans le bon sens et non pas une occasion de se rebeller, de se monter les uns contre les autres. Alors, pour faire une allusion et un écho à ce que je disais tout à l'heure par rapport à Uranus qui vient perturber un petit peu les valeurs, effectivement, on a du mal à savoir où est notre place, on a du mal à savoir où est-ce qu'on va mettre notre argent, à savoir comment on va devoir s'alimenter, qu'est-ce qui va rester de ces fameuses transitions écologiques et changements climatiques. Et là aussi, au niveau du travail, par exemple, on parle beaucoup de se rapprocher d'un bien-être et enfin, on aurait aimé aller sur cela jusqu'à présent, en dehors des événements qui nous arrivent de par le monde, mais on entend encore parler ici et là, lorsqu'on ferme un petit peu les écoutilles à l'extérieur, on entend parler de la semaine des 4 jours, où on espérait tirer quelque chose comme le bonheur au travail. C'était des concepts qui étaient apparus au début de l'entrée d'Uranus en Verseau. Alors, ces concepts ne sont pas à perte de vue, puisqu'ils sont des espérances, ils sont des idées que l'on va devoir féconder. Et c'est peut-être le moment vraiment sérieux où il faut mettre ces belles graines en terre pour pouvoir avoir quelque chose à cultiver par la suite. Parce que si aujourd'hui nous ne mettons pas nous-mêmes de belles graines, de bons vœux dans la terre et dans le ciel, hein, si on ne parle pas aux étoiles, on ne va pas réussir à faire ce passage vers le monde meilleur que nous nous souhaitons. J'en veux pour preuve aussi, par exemple, des choses qui arrivent actuellement pendant que nous avons l'esprit préoccupé par les catastrophes climatiques ou par la guerre des autres pays et par l'escalade de l'entrée en guerre de toutes les nations. On peut voir aussi qu'on n'est pas rassuré par exemple, avec la ponction de notre capacité budgétaire, avec l'État qui est en faillite, avec ce qui va être prélevé des caisses de retraite privées qui sont excédentaires et bien gérées, qui vont être privées par les finances publiques, elles mal gérées et en faillite, qui vont être privées donc de ce qui va être à réserver pour préserver nos générations futures. On s'aperçoit alors que la corde de l'espérance, qui était quand même une corde, devient un fil très fragile. C'est pourquoi aujourd'hui on peut sentir que il y a derrière tout cela les générations qui arrivent et qui se disent que le monde dans lequel on les a amenés est horrible et qu'il peut y avoir de leur part une grande colère. On voit les étudiants qui n'ont pas de quoi manger, on a les étudiants qui sont outrés par la défragmentation de tous nos services publics et de toutes les capacités de nos pays à se gérer en toute autonomie. Ça peut faire peur et ça peut entraîner beaucoup, beaucoup de colère et fomenter une égrégore qui, elle, va à un moment donné aussi exploser. Donc, dans tous les cas, il faut profiter quand même de cette période pour continuer de glaner des informations ici et là, de voir que même s'il y a des sujets qui sont en déphasage par rapport à ce qu'on vit à l'extérieur, il faut quand même garder le cap et voir ce qui arrive dans notre réalité, que dans cette réalité, derrière, il y a à mon sens une opposition qui est propre à l'axe taureau-scorpion. Pourquoi je dis ça? Parce que l'axe taureau-scorpion évoque tout ce qui va nous attacher à la matière, au matériel, mais parfois en excès, avec un esprit viscéral de possessivité, de course à la matière, de course à la possession, à la propriété, et pour les États, les courses au pouvoir et à l'armement. Et on oublie que, à titre individuel, et même à titre collectif, que pour garder le contrôle de cette matière, eh bien, on est obligé aussi de côtoyer le pendant, c'est-à-dire les aspects parfois sombres, qui sont en face et dans le scorpion et qui sont destructifs. Et ces aspects, ils sont portés par des peurs. Les peurs de renoncer, les peurs de perdre la place, les peurs de perdre le contrôle et le pouvoir. Et du coup, cela entraîne des déséquilibres qui vont gêner l'installation de la paix dans le taureau et de la sérénité, de la simplicité. Parce que dans le taureau, par essence, on est là pour vivre dans la chair, dans le plaisir et dans la jouissance de la vie terrestre simplement, avec nos sens, et profiter de Gaïa en lui redonnant ce qu'elle nous a donné.
Donc, ce chemin qui nous sert à bâtir notre place dans la sécurité, dans la paix, en vue d'un équilibre, en vue de ensuite pouvoir communier avec les autres, pour que le scorpion puisse avoir l'entretien de ce désir d'aller vers l'autre, eh bien, il faut absolument se dire que l'humanité aujourd'hui est confrontée à cela et qu'elle plonge parfois dans les affres d'un infernal cyclone de la torpeur et d'horreur tout en même temps. Hein. On voit bien qu'il y a beaucoup de nations qui sont écharpées par ce conflit. Sur le plan individuel, bien sûr que nous sommes témoins, comme je le disais, de tous ces changements, de cette période de fin de cycle, des changements climatiques, géologiques, politiques, et qu'au fur et à mesure que les choses avancent contre nous, en même temps que le futur arrive à nous, eh bien, nous nous laissons confronter, nous nous laissons choquer par notre impuissance, finalement, et nous laissons s'effondrer notre superficielle croyance égotique d'être acteur, décideur. Je pense que cette notion, elle était pour le plus évolué des singes jusqu'à il y a quelques années, mais aujourd'hui, elle n'est plus valable. Nous avons sauté une ligne de temps darwinienne à notre insu, et tant mieux, parce que à l'occasion de toutes ces lunes qui passent et qui nous disent à chaque fois, attention, il y a ci, il y a ça, ben nous voyons que ce qui doit s'effondrer s'effondre, s'écroule, se noie, et que on est tous exposés finalement à devoir ressentir que l'autre qui est à des milliers de kilomètres de nous et qui prend une bombe, ben peut-être aussi un jour celui qui va penser la même chose de nous. Voilà, donc c'est vraiment un effet de miroir qui se joue à travers les distances qui n'en sont pas dans le domaine du monde invisible, par exemple, et qui vient aussi nous rejoindre à travers ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est aussi une invitation à comprendre que sur Terre, nous ne sommes pas là uniquement pour amasser ou pour récolter des pommes ou pour... voilà, nous sommes là pour comprendre que c'est un chemin spirituel et que peut-être certains partiront sans se douter encore de leur part contributive à leur époque, à leur famille, à leur environnement. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça, c'est que, comme je vous le disais, le futur arrive sur nous et non l'inverse. Alors, si ce futur qui est, comment dirais-je, en même temps sur plusieurs lignes, j'ose dire de temps, mais sur plusieurs lignes, il peut y avoir plusieurs possibilités, eh bien ce futur, nous pouvons le fabriquer. Et c'est le moment de préparer des choses, c'est le moment de préparer cette paix dans le taureau et de dire qu'il y a, s'il y a autant d'horreur, il y a le revers, il y a le pendant dans la possibilité de créer quelque chose de pacifique et que nous sommes tous détenteurs et en possession des clés de cette sérénité. Alors, peut-être que ces clés vont nous permettre de voir en nous, par exemple, quelles sont les résistances qui nous empêchent peut-être de lâcher prise et de voir nos peurs de perdre. Peut-être que nous devrions entrer dans une résilience. Peut-être que nous n'osons pas affronter nos fantômes de peur et de comprendre pourquoi nous en sommes tous arrivés là, pourquoi ce féminin peut être encore blessé et ce masculin souffrant à l'intérieur de nous. Peut-être que c'est important aussi de reconnaître que l'humanité a souffert et que nous en sommes pas préoccupés, que nous avons mis ça sur le côté. Nous avons oublié que la conséquence de tout cela, c'était que ben, on voit toutes les extrêmes possibles arriver et les radicalisations aussi. Donc, si on ne respecte pas ces énergies à l'intérieur de nous, encore une fois, et une toute dernière fois, nous allons subir ce puissant avertissement. Mais plus tard, on pourrait subir un autre dérèglement humain qui pourrait à tout instant, par impulsivité et absence totale de sentimentalité, se laisser emporter par une frénétique volonté du dernier mot pour le pouvoir. Et je pense ici à ce qui peut constituer un risque atomique. Bon, hein, comme certains détenteurs peuvent aujourd'hui tenter d'intimider comme un peu je dirais,
Un père veut se faire respecter et fait semblant et fait peur. Eh bien, peut-être que ce jeu-là aujourd'hui n'est plus d'actualité ou n'est plus opportun et que ben, parce que les esprits sont dérangés et que c'est tout est chaotique, ben, cette terreur puisse trouver finalement cette envie de donner une leçon puisse trouver comme réponse, comme réaction une réponse par la terreur. Donc, derrière tout ça, il y a quand même, malgré tout, un message de paix qui est encore possible et à désirer. C'est la volonté de tous ceux qui ne sont pas en guerre, c'est la volonté de tous les peuples de ne pas entrer en conflit. Donc, c'est eux qui doivent avoir le dernier mot et qui doivent manifester leur désir de paix, leurs émotions. Et donc, cette dominante eau qui est propre dans cette pleine lune, dominante eau et terre, même si elle nous laisse penser qu'on pourrait revivre des pièces historiques comme le 11 septembre ou des attentats encore et des provocations diverses, eh bien, malgré tout, il sera question de se laisser émouvoir, pénétrer par nos cordes sensibles pour rejoindre quelque chose qui puisse nous permettre de nous élever au-dessus de cette matière terrible. Alors, c'est le message du taureau qui a besoin de paix, qui a besoin de simplicité, qui a besoin de se laisser peut-être épurer pour qu'un jour il puisse se dire bah, l'humanité, les terriens, ils sont capables d'être heureux et de préserver leur belle planète bleue. Voilà, et de préserver la vie. Bon, je sais, c'est une dialectique lunaire, temporelle, qui va s'arrêter peut-être pour vous à la prochaine. À la prochaine lunaison. Mais le problème, il est soulevé par ceux que nous ne contrôlons pas, et par tous ces conflits qui montrent finalement que pour chacun d'entre nous, bah finalement, la vie, c'est pas le plus important et c'est pas le cadeau le plus respecté. Donc, tant qu'il y aura des choses qui iront contre la vie, eh bien, il aura la réponse qui correspond. Comment faire pour sortir de cette perverse machination qui se joue quand même malgré nous, puisque si nous nous écoutons et si nous lisons les étoiles, c'est bien parce que nous ne faisons pas partie de ces gens-là et que nous savons qu'il y a autre chose à tirer de nos vies sur Terre et que nous voulons croire que nous sommes, comment dirais-je, potentiellement puissants dans notre toute puissance de nos je suis pour pouvoir aller vers des temps de paix. Alors, comment faire pour sortir de ce consentement officieux et tendancieux et qu'on trouvait finalement, qui nous force, qui nous oblige à soutenir un effort de guerre? Eh bien, ça, comment dirais-je, la grande question de la lunaison précédente dans l'axe Bélier-Balance, où il fallait sortir de cette soumission, où il fallait sortir de cette dépendance à la soumission, par exemple, à redonner notre pouvoir à des gens qui contrôlent nos vies, totalement. Il faut être conscient de cela. Et puis, je dirais, ce n'est pas en restant aussi, pour certains, pas pour tous, mais dans une sorte de misonisme, c'est-à-dire une peur du futur, que nous allons nous protéger de ce qui va arriver et que nous allons éviter le marasme. Donc, bien sûr qu'il faut enrayer les forces du mal, cette avancée. Il faut pas attendre, je donne l'exemple de l'intelligence artificielle, il ne faut pas attendre que celle-ci soit dans tous nos ordinateurs, dans tout ce qu'on va vouloir faire sur un plan collectif, dans tous nos services publics, pour se dire, bah oui, mais là, j'ai plus personne à qui parler pour expliquer qu'il y a une erreur sur ce dossier ou sur cette démarche, et que ce n'est pas du tout ce que j'aurais souhaité. Voilà, il faut peut-être s'équiper avant et réfléchir avant, en amont, dans nos vies. Parce que toutes les choses qui vont arriver vont nous dire que là, c'est arrivé trop loin. Et peut-être que nous en rendrons compte au mois de mai, notamment en 2024. Pour cette lunaison et pour terminer, je dirais quand même que Vénus, qui est toujours la planète de l'amour et qui va nous aider à nous élever avec les autres astéroïdes, j'en avais déjà parlé. Eh bien, va nous dire dans l'énergie de la Vierge qu'il vaut mieux perdre une partie de ses rêves, une partie de ses illusions, on va dire terrestres, pour aujourd'hui aller plus haut et maintenant se prendre par la main ensemble et avec soi-même pour que chacun soit respecté
et puisse atteindre les bras de la confiance en la vie. Ça, c'est quelque chose qu'on doit garder, la confiance en la vie, qu'on puisse s'étreindre avec la vie. Et à mon sens, il est question pour les plus sensibles de percevoir peut-être aussi, enfin, d'écouter tous les nouveaux vécus, tout ce qu'on n'a pas osé se dire jusqu'alors et tout ce qu'on n'a pas osé partager avec le commun des mortels parce qu'on avait peur de ne pas être compris. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans toutes les inepties qu'on entend et qu'on voit, qu'est-ce qui nous empêche de nous ouvrir pour peut-être accueillir des choses qui sont là depuis fort longtemps et qui n'attendent que d'être révélées. Quand je dis des choses, ce sont des énergies. Hein. Mais dans le champ magnétique, il y a certainement des entités ou des espaces que nous ne voyons pas parce que nous ne pouvons pas les rejoindre en état de conflit, alors qu'ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir et qu'ils font partie du monde invisible. Et là, je pense à plein de choses, les élémentaux, je pense à tous les êtres invisibles qui sont près de nous, que ce soit nos défunts, que ce soit d'autres égrégores ou d'autres êtres d'autres dimensions, intergalactiques et autres. Voilà, donc tout cela qui arrive peut vraiment nous aider dans cette rencontre du désir de l'autre. Et ça, c'est le message qui est voulu par un scorpion qui serait en bonne et due forme, si j'ose dire. C'est le scorpion qui affronte tous les mondes et qui nous ouvre les portes de tous ces mondes, de tous ces champs des possibles. Et voilà ce qui nous est offert, bien au-delà de la guerre, bien au-delà des confrontations. Alors concrètement, je vous invite à sacraliser votre corps, votre matière, votre environnement, vos coins de nature, même si vous n'avez que quelques brins d'herbe autour de vous, quelques arbres, et bien sacralisez-les, aimez-les, prenez soin de vous et cessez les combats inutiles dans vos pensées, dans vos critiques, dans vos émotions destructrices et non fertiles. Avancez en vous aimant avec la meilleure version de vous-même et remerciez finalement l'adversité puisqu'elle ne vous appartient pas. Remerciez-la parce que vous pouvez la voir, elle va s'éloigner d'elle-même. Embrassez la vie partout où elle est, vivez cette grande révélation intérieure, ouvrez votre cœur à ce qui est déjà là pour vous aider. Moi, pour ma part, je vous remercie, je termine, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne pleine lune, une belle pleine lune. À très bientôt.